qui va être une vidéo du retour vide-grenier que l'on a fait le week-end dernier. Donc on n'a fait que le dimanche, ouais c'est ça. Nous sommes allés en foire à tout le dimanche et on a ramassé des petites choses assez sympas. Il n'y a pas non plus des trucs de fou, mais on était contents. Voilà, ouais, il n'y a pas non plus exceptionnel, voilà. Mais bon, je préfère être à jour au niveau des vidéos vide-grenier et vous montrer, même s'il n'y a pas énormément, vous montrer sur chaque week-end tout ce que j'ai trouvé. C'est quand même plus simple. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite tout ce qui est jeux vidéo. C'est rare qu'on... Alors, si on a, il y a une console que mon mari n'a pas, on va la prendre ou autre. Mais là, je sais qu'il était... On a vu des gens trouver une... En console, alors attendez, c'était une Master System, si je crois bien. Master System 2. Et il y avait un lot de PlayStation 1. Voilà, mais c'est passé sous nos yeux, voilà. Mais de toute façon, nous, ce sont des consoles que l'on a. Donc, voilà. Donc, par contre, il a trouvé trois jeux vidéo que l'on n'avait pas, je pense, dans notre collection. Et chaque jeu vidéo était à 1 euro. Donc, du coup, il les a pris. Et le premier, je l'ai énormément fait. Donc, la boîte est un peu cassée. C'est les Chevaliers de Baphomet. Et sur PlayStation 1, et moi je l'ai, mais je l'ai fait, ah, c'était incroyable, je m'en souviens très très bien, j'étais très jeune, j'avais le temps de faire ça, et du coup, à l'époque, je me souviens, parce que j'étais souvent bloquée, car ce sont des énigmes et des choses à résoudre, vraiment, voilà, et à l'époque, on n'avait pas, maintenant, on peut avoir les solutions sur Internet, hein, mais il n'y avait pas tout ça, et il y avait un fameux numéro qu'on pouvait appeler, mais ça coûtait très très cher. Et je me souviens que j'appelais assez souvent pour avoir la solution, pour pouvoir faire avancer mon personnage dans l'histoire. Donc ce petit jeu-là, je m'en souviens très très bien. Et je l'ai énormément fait. Donc voilà pour le premier, 1 euro. Après, mon mari a pris aussi sur PlayStation une Metal Gear solide. Voilà, je me rappelle aussi, il y a pas mal joué à ce jeu-là. Donc c'est un double, voilà. Il y a tout. Alors, attendez. Il y a tout. Il y a la notice, tout. Et voilà, les CD. Donc, encore 1 euro pour celui-là. Et il l'a trouvé aussi, donc Metal Gear Solid 3, sur PlayStation 2, boîte en métal. C'est assez sympathique. Voilà. Et pareil, avec sa notice et son jeu vidéo. Donc, c'était au même vendeur. Et le vendeur nous a dit 1 euro chaque jeu. Donc, c'était fort sympathique. C'est pareil, quand on est arrivé, on l'a tout de suite vu. Enfin, moi, je l'ai tout de suite vu. Ça m'a tout de suite fait penser à des valisettes comme mes Barbie dans l'ancien temps. Et du coup, c'est pour monsieur. Voilà, c'est une valisette un peu comme les Matchbox que mon mari a déjà. Et là, alors, elle est écrit... alors il a fait des recherches et on n'a rien trouvé. Il n'y a aucune marque. Voilà, on ne sait pas du tout. On sait qu'elle est ancienne, on l'a vue sur internet, mais il n'y a rien de fou dessus. Et en fait, quand on l'ouvre, voilà, c'est des petits casiers. Vous voyez? Alors, attendez, est-ce qu'il a mis du bulle pour essayer de le regonfler? Et en plus, il y avait quelques petites voitures. Donc, c'est vraiment les petits casiers comme dans les Matchbox, en fait. Voilà. Et en plus, à l'intérieur, il y avait des Matchbox. Et en plutôt bon état, il me disait. Vraiment, elles étaient super sympathiques. Donc voilà, il a eu plusieurs petits camions. Là, on a un petit tracteur. Voilà, donc moi, ça me parle beaucoup moins. Hein. Mais la valisette en elle-même, je la trouve juste superbe. Voilà, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Oui, ah, ouais, je vais vous... Voilà. Parce que du coup, ça nous fait... Non, je vais ranger après. Ça nous fait une rangée, deux, trois et quatre rangées. Celle-ci, il n'y a rien. Je vais tout enlever. Là, on a encore une petite voiture militaire. Et là, la dernière rangée. Voilà, il y a encore deux voitures. Donc, évidemment, moi, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Et c'était une belle trouvaille. Franchement,
C'est sympa de retrouver ces vieilles valises. Moi, je sais que j'en cherche sur Barbie. Bah, c'est très très dur de les retrouver parce que souvent elles sont en très très mauvais état ou enfin, ça a été détruit. Vous voyez, et tout est en plastique, quoi. Voilà. Et franchement, elle était top. Donc, on l'a payé 10 euros. Voilà. Mais on n'en sait pas plus sur cette petite valisette. Donc, on a trouvé ça qui était super sympa. On s'est un petit peu séparés parce que des fois c'est plus sympa de se séparer et de tomber sur le truc parce qu'on y est allé de bonne heure. Et moi, je suis tombée sur ça. Mais alors, je savais même pas que la Bibliothèque Rose avait sorti des livres Goldorak. Et il est en très très bon état. Donc, Goldorak contre les monstres de l'espace avec le sigle Antenne 2. Mais alors, il est superbe. Donc le monsieur savait exactement ce qu'il vendait, hein. Il me l'a vendu 2 euros. Mais bon, voilà, je l'ai pris. Je l'ai vraiment pris. J'ai trouvé trop sympa. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des images en couleur. Je ne pense pas. Ah si, voilà. Il est génialissime. Et il en avait plusieurs. Alors j'ai pas tout pris parce que les autres m'intéressaient pas. Mais celui-ci. Celui-ci m'intéressait énormément. Vous savez que j'adore l'inspecteur Gadget. Et je ne savais pas si je l'avais ou pas, parce que j'en ai déjà trois. Trois de la Bibliothèque Rose, inspecteur Gadget. Et là, c'est l'inspecteur Gadget est un as. Et j'ai regardé la date. Il est de 1984 par rapport aux trois autres qui sont de 87-89. Celui-ci est mon plus vieux. Et en plus, il est en excellent état. Pareil. Voilà. Il est en très très bon état et je suis vraiment très très contente. Je sais pas. C'est super sympa de tomber là-dessus. Donc chaque petit livre Bibliothèque Rose sont à 2 euros. Je ne prends que ceux que je peux mettre en fait dans mes cases de collection. Donc voilà, ça va aller dans nos cases, dans chaque case. Voilà. Ensuite, c'est pareil, on a été très très contents. Il est tombé donc sur un sac et il y a plein de petites voitures à l'intérieur. Et puis pareil, un peu la flemme de fouiner et de se mettre à quatre pattes. Et c'est pas moi qui vais regarder en plus avec ma jambe. Donc du coup, il demande à la dame les petites voitures, c'est des petites majorettes. Il dit combien la voiture? Elle dit 20 centimes. Il dit écoutez, si je vous prends le sac, vous me faites combien? Elle cherche pas à comprendre, elle dit 2 euros. Donc mon mari n'a pas cherché à comprendre non plus, on prend le sac, on arrive à la maison, il le trie et on a eu une très bonne surprise à l'intérieur. Donc déjà, on a plein de petites voitures majorettes. Donc je vais vous les montrer. Voilà. Il y en a certaines qui sont en bon état. Donc là, on est encore sur du majorette. Voilà. Je passe assez vite, hein. Alors là, c'est une petite Corvette. C'est pas majorette, j'ai pas de marque. Voilà, on a celle-ci avec le toit ouvrant, sympa. Voilà, alors c'est vrai que moi, les petites voitures, je m'y connais pas du tout. Encore une majorette qui est beaucoup plus verte. Là, ça fait pas du tout la même couleur. Celle-ci, encore après, majorette toujours. On en a une autre majorette aussi. Voilà. Donc le lot de tout ça, 2 euros. Là, encore majorette. Il était vraiment content de tomber là-dessus. Puis pour un tout petit prix, c'était une énorme foire à tout et elle était pas mal. Enfin, elle était bien organisée, je trouvais. Par contre, on a eu mais un froid. C'était glacial, glacial. Encore une majorette. Alors celle-ci, c'est une R5. Donc voilà, comme mon mari est passionné, il ne pouvait pas la laisser. Voilà. Et la dernière, non, il en reste deux. On a encore celle-là. Voilà. Et la dernière, une Banania. C'est majorette? Non, Solido. Voilà, petite Banania. Voilà, et quand il a enlevé toutes les voitures, on tombe sur ça. Je dis à mon mari, c'est bizarre, le bonhomme, il me dit quelque chose.
Et bah on a cherché et en fait c'est un bonhomme Cosmocats. Voilà. Et bah content parce que celui-là bah, on l'a pas dans la case. Donc voilà, et c'était dans le lot à 2 euros. Et il est bien de 86 Télépix. Voilà. Et c'est trop génial. Et la dernière trouvaille, la dernière figurine qu'il y avait, il me dit, regarde, une Sophie. Non mais incroyable. Donc Sophie, il faut savoir que moi je l'ai déjà, mais du coup j'ai regardé. La mienne est en meilleur état. Donc voilà. Parce que là, elle a un petit peu les cheveux de grignoter. Donc elle repartira celle-ci. Mais c'était fort quand même dans le lot à 2 euros de trouver ça. Donc voilà pour nos trouvailles au niveau des petites voitures. Et après, ça a été le week-end du Pèze. Et moi, j'étais trop contente. Donc il y en a certains, j'ai payé 1 euro. Il faut savoir aussi que cette foire à Toula, c'était dans une campagne, mais alors les gens étaient. Alors je ne sais pas si c'est le froid qui a fait ça, mais il n'y avait aucune négociation possible. En plus, nous, on ne négocie pas énormément, mais même quand on disait on vous prend l'eau, vous faites quelque chose, non, pas du tout, ils n'étaient pas du tout intéressés. Et pas très sympathiques. Franchement, c'est rare, mais là, ils étaient tous très fermés, donc ça, c'était quelque chose. Donc ça donne pas trop envie. Pour les pèses, au début, j'ai pas fait de l'eau. Parce que bah, elle n'a pas voulu déjà. Et puis elle me l'a dit sur un ton voilà, pas sympa. Donc j'ai laissé courir. Et après, on en a fait une deuxième. Et là, je suis tombée sur une dame qui les faisait à 50 centimes. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et j'ai pris ce que j'avais pas. Donc je suis très très contente d'avoir trouvé celui-ci. Un petit zigzag dans Toy Story. Il est trop choupinou. C'est un 5-9, donc c'est un ancien. Hein. Il faut savoir qu'en ce moment, on est en 7-5. Voilà, donc celui-ci, j'étais contente. Pareil, celui-ci, très contente. C'est un récent. C'est un 7-5, le grand Schtroumpf. Je vais essayer de passer assez rapidement. Là, ça va compléter Nemo, c'est Hank dans le monde de Dory. Voilà, un 7-5. Là, j'ai un petit lapin. Je ne me suis pas encore renseignée sur lui. Je me demande si ce n'est pas un dessin animé. Ça ne doit pas être un lapin de Pâques, pardon. Donc il faut que je regarde. J'ai trouvé deux fois. J'avais pas fait attention. En fait, je l'avais deux fois. Donc je crois qu'il s'appelle Dave, celui-là. C'est le mignon. Voilà. Mais moi, je suis contente parce que j'ai Dave déjà. Mais il faut savoir, il faut faire attention. On pense l'avoir, mais en fait, là, il sourit et il y a le Dave où il n'y a pas de bouche, en fait. Donc voilà, il y a des différences hein, dans les pèses. J'ai trouvé un pingouin de Madagascar. Voilà, j'en ai déjà un. Il va venir compléter. Ensuite, j'étais contente de trouver celui-ci. J'ai déjà le rouge pour un Angry Bird. Et j'ai trouvé le vert. Donc, top. Ensuite, dans la Reine des Neiges. Donc, ceux-là, on me les a fait à 50 centimes. La dame qui me les a, les autres me les a fait à 1 euro. On a Anna dans la Reine des Neiges 1 et dans la Reine des Neiges 2. Voilà. Et j'ai trouvé, ah, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, lui, leur ami. J'ai un trou de mémoire sur le personnage. Donc celui-ci, je vous le marquerai. Pareil, on a trouvé un joli Donkey Kong. Je ne l'avais pas. J'ai Mario, Luigi, le champignon. Enfin, Toad. Et puis, je ne sais plus qui y a d'autres. Mais oui, je ne l'avais pas. Ensuite, j'ai trouvé une Bratz. Voilà. Après, un troll. Voilà, j'en ai déjà un. Là, ça complète mes Simpsons. J'ai trouvé Bart. Il va me manquer que Lisa. Voilà, dans la collection. Là, c'est pareil. C'est un dessin animé sur les pompiers. Je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Celui-là, je suis trop contente car c'est une Pumpkins. Alors, je ne sais pas si elle est Glow in the Dark, je crois pas. Par contre, celle-là, c'est une 4-9, quoi. Elle est super vieille. Alors, ça, c'est trop contente. Voilà. Et enfin, je vais finir par. C'est un 4-9, celui-là. C'est un insecte. Voilà. Ça, je crois que c'est les Bugs, ça s'appelle ceux-là. Voilà, il y en a plusieurs. C'est mon premier. Bon, il a été mâchouillé. Hein. Les antennes ont été mâchouillées, mais bon.
Donc voilà pour ce petit retour de vide-grenier. J'espère qu'il vous a plu. Il n'est pas énorme. On ne trouve pas à tous les coups, hein, tous les week-ends. Ça ne peut pas être non plus le top du top, hein, tout le temps. Donc voilà, mais on était quand même très très content d'avoir trouvé tous ces petits trucs-là. C'était vraiment un petit week-end fort sympathique. Ce week-end, demain, enfin là je tourne, c'est vendredi. Demain samedi, nous allons normalement à une très grande foire à tout, en plus dans la campagne. J'adore ça. C'est là souvent qu'on trouve de belles choses. On va croiser les doigts. Et peut-être dimanche, on verra. Lundi, sûr que non, pas 3 jours, ça fait beaucoup trop. Il faut quand même se reposer. Donc, bah voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!